Bonjour à tous. Dans ce petit lot, on va s'appuyer sur la forme du moment avec le numéro 3, Okomelwa, qui vient de relouer avec le succès sur la piste des Sables d'Olonne. Se protéger de Pierre Beloche traverse une belle passe actuellement. Il s'est déjà bien comporté sur cette piste. Une confirmation de sa part est tout simplement attendue. Je vais également me méfier, bien évidemment, du numéro 11, It's Cut, qui semble au papier au-dessus du lot, mais qui aura 25 mètres à rendre. Ce pensionnaire d'Alain Chavat s'est tout de même imposé dans un gros 3 à Vincennes l'hiver dernier. Il retrouve Johan Le Bourgeois qui s'est en tiré la quintessence. Vous l'aurez compris, si le cheval fait sa valeur, ce sera lui qui va s'imposer. Maintenant, il faut rendre les mètres, même si la longue ligne droite d'Anguin devrait logiquement l'avantager. Maintenant, c'est à vous de jouer. Surtout, n'hésitez pas de liker, de vous abonner à notre chaîne et on se retrouve tout de suite pour un nouveau Côte et Côte dans la 6ème.